Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette séance d'information sur les services de santé en France. Nous savons que le système de santé peut être assez différent de ce que vous connaissez dans votre pays d'origine, donc notre objectif aujourd'hui est de clarifier comment cela fonctionne ici et comment vous pouvez accéder aux soins de santé dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, sachez que la France dispose d'un système de santé publique financé par l'État. Cela signifie que, si vous êtes un résident légal ou un citoyen de l'UE, vous avez droit à des soins de santé subventionnés. En tant que résident, vous êtes également éligible pour vous inscrire chez un médecin généraliste, qui est souvent votre premier point de contact, en cas de problème de santé non urgent. Nous vous recommandons de vous inscrire chez un médecin de famille dès que possible, si ce n'est pas déjà fait. Cela vous permettra de bénéficier de soins médicaux à moindre coût et d'un suivi personnalisé. Notez que les consultations chez un médecin généraliste sont souvent subventionnées, mais vous devrez payer une petite partie du coût. Les enfants de moins de 16 ans reçoivent des consultations gratuites. Il est aussi important de comprendre le rôle des urgences ici en France. Les services d'urgence sont réservés aux situations graves et potentiellement mortelles. Si vous avez besoin de soins immédiats mais non urgents, il est préférable de consulter un médecin, dans une clinique. Il y a également le numéro d'assistance téléphonique, le 15, qui vous permet de parler à un professionnel de santé pour obtenir des conseils médicaux. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore éligibles pour les services subventionnés, il est recommandé de souscrire à une assurance santé privée. Cela peut couvrir les frais médicaux dans le secteur privé, qui peuvent être plus élevés. Nous avons d'ici quelques brochures à distribuer, qui détaillent ces options, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Avant de passer à chaque sujet en détail, je veux également souligner que le système de santé en France met l'accent sur la prévention et le bien-être. Il existe de nombreux programmes communautaires, notamment des ateliers sur la nutrition, l'exercice et la gestion du stress. Ces programmes sont accessibles à tous, souvent gratuitement. Je vais maintenant ouvrir la parole à vos questions jusqu'à présent. Merci encore pour votre attention. Uh, hello. Thank you for the explanation. Uh, I wanted to know what happens if we are not permanent residents but are here with a, a temporary visa? Can we still um, access emergency services if necessary? Bien sûr, même si vous avez un visa temporaire, vous pouvez accéder aux services d'urgence en cas de besoin, mais vous devrez payer les frais complets si vous n'êtes pas éligible aux subventions. Il est donc important de souscrire à une assurance si vous êtes ici temporairement. I have a question regarding consultations with a GP. If I need a specialist, how does that work for a referral? Oh, yes, I would like to know that too. It's very important for me. C'est une très bonne question. Si vous avez besoin de consulter un spécialiste, c'est effectivement votre médecin généraliste qui vous fera une recommandation. Vous ne pouvez pas consulter un spécialiste directement, sans passer par votre médecin de famille. Hello, sorry, I'm not sure I understand well the cost of care with the GP. Is it always paid even for residents? C'est une très bonne question. Si vous avez besoin de consulter un spécialiste, c'est effectivement votre médecin généraliste qui vous fera une recommandation. Vous ne pouvez pas consulter un spécialiste directement sans passer par votre médecin de famille. Alors, merci à tous pour vos questions pertinentes et pour votre participation active aujourd'hui. J'espère que cette session a pu répondre à certaines de vos interrogations et clarifier certains aspects de l'accès aux services de santé ici en France. Nous comprenons que naviguer dans le système de santé peut être complexe, mais sachez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, nous vous encourageons à consulter les ressources disponibles sur le site officiel du gouvernement français, en particulier la section dédiée aux nouveaux arrivants. Vous pouvez également vous rendre dans les centres communautaires ou prendre rendez-vous avec un conseiller en santé pour discuter de votre situation spécifique. Avant de terminer, je tiens à rappeler que nous sommes tous ici pour vous soutenir. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à demander de l'aide. Encore une fois, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Prenez soin de vous, et bonne chance dans la suite de votre parcours ici en France. Merci et à bientôt.